Je vous ai dit que la semaine qui vient de s'écouler, j'ai pas fait, je me suis massé le cuir chevelu une ou deux fois seulement. La paire de chaussures, c'est celle-ci, c'est ta Adidas, ça, que je vais mettre. Je pense que la personne qui va sera contente. Là, c'est le temps de me récompenser. Je me suis fait des pancakes, je vais pas tout finir. Donc, on a quand même eu de beaux vêtements. Comment ? Aussi dans une vidéo, c'est faire dans quelque chose dans une vidéo. Mais quand tu parles, c'est pas faire quelque chose. J'espère que vous allez bien. Là, je reprends même dans la salle de bain parce que je dois m'occuper de mes cheveux. Je suis désolée pour l'écho. Je dois m'occuper de mes cheveux. C'est la troisième semaine depuis que je me suis dit que je dois prendre soin de mes cheveux toutes les semaines. Une fois par semaine, je dois m'occuper de mes cheveux. Je suis contente parce que c'est pas toujours évident. Là, par exemple, on a fait plusieurs jours. Je suis désolée pour le bruit des oiseaux, des travaux, bref. On a fait plusieurs jours sans électricité, sans eau, sans... Je veux dire que c'est pas gagné. Mais bref, aujourd'hui, on a l'électricité, on a l'eau, donc on va s'occuper de ses cheveux. Alors, comme prépo, je vais faire le même prépo que la semaine dernière. Je sais pas si je vous ai déjà posté la vidéo. Bref, comme il y a eu pas mal de coupures d'électricité, donc je peux vous assurer que les montages, j'en ai pas fait. De toutes les manières, vous avez eu plusieurs jours sans vidéo et... Bref. Écoutez, je vais sur mon cuir chevelu, je vais mettre de l'huile. Alors, cette semaine, j'ai pas été régulière sur les massages. Sincèrement, les massages du cuir chevelu, je n'arrive pas à être régulière. J'ai massé, je pense, mes cheveux une fois seulement cette semaine. C'était pas évident. Donc j'ai pas mis aussi l'eau de coco. Je pense que l'eau de coco je vais l'utiliser en dernière eau de rinçage lorsque je vais faire mon shampoing. Ouais, je pense, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle est au frigo. Donc je vais la terminer comme ça. Bref, ça va. C'est pas toujours évident d'avoir le temps, hein. Sincèrement, avant, je pensais que... Avant, j'avais beaucoup de temps. Avant d'avoir un enfant, j'avais beaucoup de temps. Maintenant, je comprends bien les gens qui me disaient « Grâce, on n'a pas le temps. Grâce, avec avoir des enfants, c'est pas évident, on n'a pas le temps. » Sincèrement, oui, vous aviez raison. Mais bon... On fait un effort pour avoir un peu de temps pour vous. C'est important. Après tout, que je vais garder, je sais pas, 30 minutes, 45, je vais voir. Je suis en train de faire le ménage, donc le temps que je finisse de faire le ménage, et après, je fais mon shampoing, toujours le même shampoing, puis je vais utiliser quel masque. Je pense que je vais utiliser le masque de Garnier Air Food. C'est papaye que j'ai. Il est même là. C'est papaye, attendez. C'est quoi?
papaye, banane. Voilà. Je vais utiliser le garnier Air Food Banane. Et ensuite, ils sont tout doux, mes cheveux. Non, le prépoux, sincèrement, j'aime trop bien faire le prépoux. Ça démêle. Ça te laisse tes cheveux tout doux après avoir fait ton shampoing et après je fais mon masque. Bref. Pour que ça ne dégouline pas, je fais ceci. Et voilà. Écoutez, on se retrouve après. Je vais vous montrer le shampoing, le tout. Ça va, je vous montre. Vous connaissez déjà. Je vous retrouve après. Bon, il est 8h, j'ai appliqué mon masque. Là, je vais mettre pour les pellicules de Ruben. Dernièrement, je lui avais mis des... Comment ça s'appelle? La pierre jaune. Je sais pas si c'est du soufre. Je lui avais mis la pierre jaune, ça a vraiment diminué. En tout cas, ça a vraiment diminué. Ensuite, mais quand j'ai plutôt fait le shampoing pour enlever cette pierre jaune-là, j'ai souffert. En tout cas, j'ai souffert. Ça ne s'est pas complètement enlevé. Ça ne s'est pas totalement enlevé. Puis, en faisant d'autres recherches sur Internet, j'ai vu que l'huile de coco aussi. Mon masque en train de dégouliner. En faisant des recherches, j'ai vu que l'huile de coco aussi, c'était bon pour enlever les pellicules. Donc, j'ai mis l'huile de coco dernièrement pendant plusieurs heures. Puis, j'ai nettoyé, mais à l'après shampoing. Je n'ai pas voulu nettoyer au shampoing. Je me suis dit, je ne vais pas trop agresser son cuir chevelu avec des shampoings tout le temps. Donc, j'ai nettoyé à l'après shampoing et j'ai trouvé aussi que ça a diminué. Là, quelqu'un d'autre m'a parlé du citron. Oui, oui, je teste tout. Quelqu'un d'autre m'a parlé du citron, donc je vais lui mettre du citron sur le cuir. Ça dégouline vraiment. Je n'aime pas ça, je n'aime pas cette sensation. Bref, donc là je vais lui mettre du citron sur le cuir chevelu. Ruben, viens. S'il te plaît, viens, je vais te mettre quelque chose sur le cuir chevelu. Je vais lui mettre le citron sur le cuir chevelu et après quand je vais nettoyer ses cheveux, je nettoie à l'après shampoing. Puis viens, je vais. Est-ce que c'est seulement pendant la vidéo? Pour se montrer? Non, c'est pour tout mettre. Oui, pour montrer aussi. Donc en fait, je frotte le citron sur le cuir chevelu. Si c'est la première fois que je passe dans une vidéo. C'est la première fois que tu passes dans une vidéo? Oui. T'es sûre? Oui. T'es vraiment sûre? Oui. Oui, belle. Toi, tu n'es jamais passé dans une vidéo avant? Ah non, quand même. T'es sûre? Oui. C'est pas toi qui dis abonnez-vous, likez. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais là, j'ai pas passé dans une vidéo. Comment? Passer dans une vidéo, c'est faire dans quelque chose dans une vidéo. Mais quand tu parles, c'est pas faire quelque chose? Bon, oui, mais il faut au moins faire quelque chose de. T'aider à faire quelque chose, quoi. Bon, le problème avec le citron, je pense que ça sera les pépins. Je ne sais pas comment je vais enlever les pépins là. J'aurais dû peut-être en fait presser le citron et puis avec une lingette ou du coton appliquer sur son cuir chevelu. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Enlever tout ça. Et bon. En tout cas, si vous avez des astuces contre les pellicules, je suis en train de tout essayer. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ces pellicules là. Sincèrement, je sais pas. Peut-être que son cuir chevelu est devenu trop sec. C'est quoi cuir chevelu? C'est là. C'est la peau de la tête. La peau des cheveux. La peau des cheveux, non. La peau de la tête. Mais je commence un peu à avoir mal au pied. Tu commences à avoir mal au pied? Oui. Bientôt, je suis. Pas vraiment fort. Maman, tu vois cette bouche à chaque fois qu'elle passe, elle disparaît. Quelle boule? Non, mouche. Ah, la mouche? Oui, elle est rentrée. Je ne sais même pas comment elle est rentrée ici. Mais moi, j'avais vite fermé la porte. Oui, j'avais vite fermé la porte. Comment la mouche pourrait rentrer? Je ne sais pas. Elle a dû s'infiltrer quelque part. Oh, ce masque est en train de dégouliner. Ok, c'est bon. C'est bon. Bon, ça c'est fait, on va maintenant faire le ménage dans cette maison. Ménage? Non, tu vas passer la serviette. Non, aujourd'hui je passe pas la serviette, je vais juste passer un coup de balai. Et puis ranger ta chambre, ranger les chambres, essuyer les meubles. Donc je vous retrouve après. Je fais essuyer les meubles. Je fais tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure.
cheveux nettoyés. Il est quelle heure? 12h31. J'ai beaucoup travaillé. Je me félicite, puis j'ai beaucoup travaillé. Bruit, s'il te plaît. J'ai beaucoup travaillé. Depuis ce matin, c'est maintenant sincèrement que je m'assois. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai pas passé la serpillière, mais j'ai essuyé les meubles, tu vois, nettoyé les chambres, tout, essuyé partout, changé les draps. J'ai fait au moins 4 lessives aujourd'hui. J'ai lancé au moins 4 machines aujourd'hui. Là, c'est le temps de me récompenser. Je me suis fait des pancakes. Je vais pas tout finir. Des cacahuètes. De la menthe coupée comme ça en morceaux avec du sel. Et c'est trop bon. C'est tellement réconfortant. Et là, j'ai mis la nourriture au feu, la viande. J'ai nettoyé les cheveux de Ruben. Il a pris sa douche. J'ai nettoyé mes cheveux. La journée était trop productive. Donc là, je mange. Après, je vais terminer la cuisine. Et si j'ai encore un peu de force, je fais un peu de montage. Mais pour l'instant, je me pose au moins pendant 30 minutes. Ça va me faire du bien. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je te reprends un peu plus tard. Il est quelle heure? Attends. Il est 14h23. J'ai nettoyé mes cheveux. J'ai l'impression que mes cheveux sont déjà en train de pousser. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais regarde. Moi, j'aime trop. On va tout faire pour que nos cheveux poussent. Je vous montrerai ce que je n'ai pas d'utilité. En tout cas, là, je vous montre tout. Hein. Je vous ai dit que la semaine qui vient de s'écouler, j'ai pas fait. Je me suis massé le cuir chevelu une ou deux fois seulement. Et tu sais, la meilleure. Je t'avais dit avant de nettoyer les cheveux que j'allais utiliser l'eau de coco que j'avais au frigo. Comme eau de rinçage, je ne l'ai même pas utilisée. J'ai complètement oublié. Bref, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé l'eau de coco une ou deux fois aussi la semaine dernière et c'est tout quoi. C'est tout. Et bref. Mais je trouve que le soin, aujourd'hui j'ai fait le prépu que j'avais fait la semaine dernière et je trouve qu'il rend mes cheveux tout doux, qu'il nourrit bien mes cheveux, qu'il hydrate bien mes cheveux. J'aime beaucoup. Bref, je disais, j'ai fini de faire la cuisine. Trop contente. La cuisine est terminée. J'ai pratiquement tout fait. Il me reste juste, j'allais faire du montage, mais je ne sais pas si je vais avoir du temps parce que j'ai de la visite à 15h normalement, donc je ne vais pas me mettre au montage, non. Je devais aussi, j'ai un seul truc, je n'arrive même plus à parler, j'ai quelque chose d'autre à faire que je voulais faire aujourd'hui, c'est trier les vêtements de Ruben, enlever les vêtements de son placard, les vêtements qui ne lui vont plus, voilà. Faire ce tri là parce qu'à l'église il y a collecte de vêtements et de chaussures en bon état et Ruben comme il ne gaspille pas souvent ses vêtements, en tout cas ses vêtements sont souvent en bon état et ses chaussures aussi puisque souvent il ne les porte pas pendant longtemps, bref, donc je dois faire ce tri là les chaussures comme j'avais déjà partagé une bonne partie, il reste juste une paire, une très belle paire Adidas. Donc je mets dans le lot que je vais apporter à l'église, plus je dois faire donc le tri des vêtements. Il y a déjà un pantalon ici. Ça c'est un pantalon kaki qu'il a porté deux fois, je pense. Deux ou trois fois, qu'il n'a pas porté pendant longtemps. Et ça ne va plus. Pourtant, c'est quel âge? 7 ans. Monsieur pense qu'il ne peut plus porter les vêtements de 7 ans. Donc ça... je vais mettre dans le lot des vêtements à partager. Ils sont encore en bon état. Comme je l'ai dit, il a porté deux ou trois fois seulement. Il y a ça, il y a beaucoup de petits vêtements que je vais mettre dans le lot. Bref, ça va réjouir une personne. Comme c'est aussi la rentrée, ça va faire du bien à un enfant. Et je suis contente pour ça. Bref, écoutez, donc je vous laisse. Il fait chaud, mais il fait vraiment chaud. Alors pourquoi je ne me suis même pas maquillée, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne. Les sourcils, je trouve que ça fait l'affaire. Tu fais des sourcils, un peu d'anti-cerne, un peu de poudre, bref, un peu de mascara. J'ai mis un peu de mascara, on dirait une couche, bref, surtout un lave-l'eau et puis bref. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que j'aurai le temps. J'espère que la personne qui viendra ne va pas mettre trop de temps. Comme ça, j'aurai le temps de faire le tri des vêtements de Ruben et j'aurais fait pratiquement tout ce que j'ai prévu dans ma to-do list en dehors du montage. Mais c'est pas grave, le montage, je pourrais le faire même demain. J'espère que j'aurai l'électricité demain. Écoutez, je vous retrouve bientôt. Bon, ne fais pas attention à ma tête. Oui, je me suis fait tenir parce qu'il fait trop chaud.
La personne qui devait venir à 15h vient de m'appeler et ne viendra pas maintenant. Donc, on va s'occuper du dressing de Ruben, tout simplement. Donc, on va essayer de voir quels sont les habits qui ne sont plus à sa taille. Je vous arrange, comme ça je pense que c'est... Attendez. Ah, écoutez, je vous laisse comme ça. Écoutez, on va voir quels sont les habits qui ne sont plus à sa taille. Il est quelle heure? 16h. Si j'avais fait ce que j'avais prévu faire, j'aurais dû le faire, mais c'est pas grave. C'est surtout là, je pense. Ça, c'est le parfum de Ruben. C'est sa maman qui lui avait offert. Il a son parfum qu'il met tous les dimanches. Non, chaque fois qu'on sort, il prend son parfum qu'il garde jalousement. C'est quel parfum? C'est Jacadi. Je sais pas si vous connaissez. Bref, on n'est pas là pour le parfum. Ça, c'est bon, c'est à sa taille. Ça, il porte encore. Bon, c'est bon. Attendez, tout ce qui est bon, je vais mettre là. Ça aussi, c'est bon, c'est à sa taille. C'est quel âge? Pourtant, ça, c'est 5-7 ans. Primark, il porte encore. Et le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure, le kaki, c'est 7 ans CA. C'est petit. Je comprends pas. Ça, ce sont les shorts que j'ai achetés pour qu'il va porter pour l'école. Comme chez nous, ce sont des en bas. L'uniforme scolaire, c'est bleu kaki. Donc bleu en bas, kaki en haut. Pour le bleu d'en bas, j'ai pas acheté le tissu pour donner chez le couturier. J'ai juste acheté. J'avais acheté des vêtements déjà, des shorts déjà, des bermudas, des shorts. Donc là, c'est 10 ans, ça c'est qui habite 10 ans aussi, c'est pour l'école. Ça aussi, c'est pour l'école, ça, qui habite aussi 10 ans. En tout cas, cette année, 5 ans, tu portes déjà des vêtements de 10 ans. De ce short là, je me rappelle très bien, je pense qu'il y avait un mouchoir dans l'une des poches, je sais pas de qui. Non, c'était pas chez toi, chez moi ou chez papa. Et du coup, ça s'était frité et
les habits sont sortis avec du blanc. Donc, on a quand même eu de beaux vêtements. Il y a... Donc, il y a combien de pantalons? 1, 2, 3, non, il y a 2 pantalons et 4 shorts. Il y a un pull, une casquette. Est-ce que ça monte? J'essaye. J'essaye de monter. Oui, viens, je vais voir. Viens. Il y a du coup, mon papa. Pourquoi ça ne veut pas monter? Est-ce que tu as l'aise dedans? Un peu, mais ça descend. Ça peut encore monter? Un peu plus monter. Viens, viens, je vais voir si ça peut encore monter. Mon short est là. Pourquoi je ne peux pas le porter? Parce que c'est bien de porter les shorts. Bon, donc... Oh, sinon, j'aurais froid. Là, c'est fait. Je suis pour toi. Attention. Heureusement que je l'ai fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc. Ça, le short est à l'envers là. Ah, tu l'arranges, tu le mets à l'endroit. Donc là, je vais prendre les. Je vais prendre la. La. Comment ça s'appelle? La paire de chaussures que je vais mettre dans le lot. La paire de chaussures, c'est celle-ci, c'est Adidas là, que je vais mettre. Je pense que la personne qui l'aura sera contente. Voilà. Moi aussi, je suis contente. Et voilà pour le lot qu'on va les donner. C'est pas beaucoup, mais voilà ce que j'ai eu. Ça pourra faire le bonheur d'un enfant. Et pour ça, on dit OK, jazz. C'est tout ce qui me restait à faire. Donc là, je peux clôturer la vidéo, je pense, puisque je n'ai plus rien d'intéressant à faire. Ah, oui. Écoutez, si j'ai quelque chose d'autre intéressant à faire, je vous le montre tout de suite. Sinon, bah, on se retrouve très prochainement.